Euromac, pourquoi ? L'Europe, le Maghreb. Bien sûr, ce sont deux mots importants qui concernent 500 millions d'habitants en Europe et puis à peu près plus de 100 millions d'habitants au Maghreb. Que Euromag, c'est un nouveau visage. Euromag veut représenter les Européens et les Maghrébins, veut être une passerelle en langue française. Pourquoi ? Comme ça, on pourra tous se comprendre. D'ailleurs, vous avez un français... Comment vous voyez cet espace Schengen ? Comme vous venez de le dire, l'espace Schengen, c'est tout un symbole. C'est le symbole de la libre circulation des personnes. Et pour tous ceux qui, comme moi, viennent d'un pays qui a connu un changement de régime en 89, on sait ce que ça veut dire. Moi-même, je me rappelle la première fois lorsque j'ai voulu me rendre en France, c'était toute une procédure, l'attente pour avoir le visa. Donc tout ça parle aux citoyens. Schengen, c'est quelque chose qui est très concret. La liberté pour un citoyen de se rendre dans un autre pays afin de s'enrichir ou pour toute autre raison.